Dans ce tuto, nous allons voir comment créer ou modifier un compte. Donc ici, vous allez sur tous les comptes. OK, si vous voulez modifier un compte, vous cliquez sur modifier. Et vous allez pouvoir venir modifier les différents éléments, le nom, le prénom, etc., etc. Si on vous demande de rajouter un compte, vous allez pouvoir ajouter un compte ici. Donc en mettant l'identifiant, l'email, le nom, le prénom de la personne. Donc votre site web, vous remettez le nom de domaine de votre site web. OK, ici. On va en créer un pour l'exemple. Vous rentrez l'email, il sera donné le jour de l'examen. Le nom, le prénom. Le site web, vous pouvez mettre ça. OK. La langue, vous mettez la langue française. Le mot de passe, vous pouvez le laisser. Et là, vous allez pouvoir attribuer un rôle. Donc, abonné, SEO, ils pourraient s'occuper. En fait, ça va limiter en fait, leur champ d'action. Donc, les abonnés, ils auront. Donc, on va vous dire, ben, mettez le rôle abonné. Les abonnés auront un champ d'action limité. Après, vous avez SEO Editor. Donc, il suffit de cliquer pour venir. Pour venir, pardon, attribuer un rôle. Donc, auteur, autrice, ils pourront uniquement publier des articles, etc., etc. Et administrateur, administratif, ils ont accès à tout le site internet. Et ensuite, vous cliquez sur ajouter un compte. OK. Donc, là, il me met erreur. Cet email est déjà inscrit, ce que j'ai déjà utilisé dans un exemple. Donc, on va mettre ça comme email, ajouter un compte. Et le compte est créé. OK. C'est tout pour ce tuto.